Good morning, allez Eden, nous sommes le mardi 14 Adar, allez 5776, et l'étude sera les Lunishmat Rivka Bat Avraham, et l'Irfouat Tzvi Dov Ben Chaya. Nous étudions Baba Kama Perik Gimel Mishnah Gimel, Hamotzi et Tivno Bet Kachol Irshut Arabim Lizbalim, Gozek Ben Acher, Chayav Ben Isko, Vechol Akodem Ben Zaha, Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, Kol HaMekalkelin Birshut Arabim Veiziku Chayav Ben Ishalem, Vechol Akodem Ben Zaha, Ofech Tagalal Birshut Arabim, Gozek Ben Acher, Chayav Benisko. Un petit peu d'histoire d'abord. Les engrais de l'époque se présentaient de deux manières au moins. Il y avait la paille qu'on laissait se décomposer, pourrir, et puis ensuite on utilisait le produit, on mettait ça sur les végétaux. Et il y avait encore le fumier, la bouse de vache, qu'on mettait aussi directement sur les végétaux, et ça les aidait à pousser. On lavait les fruits après, bien sûr, évidemment. La Mishnah maintenant va parler de deux cas de bor birshut harabim, en parlant vraiment de ces deux cas. Le premier cas, ça va être le cas de la paille, et le deuxième cas, ça va être ensuite le galal, les excréments, la bouse de vache. La première partie maintenant de la Mishnah, on l'a fait d'abord dans les mots, la première partie de la Reisha. Amotzi et tivno vet kasho birshut harabim lizvalim. On va illustrer ça avec appeler Réhouven, ce monsieur-là, ça nous aidera ensuite pour comprendre toutes les personnes qu'on va faire entrer en ligne de compte. Amotzi et Tivno et Kachol Irshut Arabim Lizvalim. On va parler de Réhouven, donc, qui a fait sortir son foin, sa paille, ouais, Tivno, Kachol, l'Irshut Arabim, sur la voie publique, Lizvalim, pour les rendre des engrais, du Zevel, des engrais. Et donc en fait, on parle de ce Réhouven n'avait pas de place chez lui, ou ne voulait pas s'encombrer sa cour avec ça. Il les a mis sur la voie publique, pourquoi pas, ça dérange tout le monde, mais ce n'est pas son problème. Il les laisse sur la voie publique, les gens, et comme ça, petit à petit, ça va pourrir, ensuite il les récupère. Alors la Mishnah nous dit comme ça, « Ve'ozak ba'en acher » Si quelqu'un ensuite est venu et a subi un dommage, « Chayav benizko » Ce Réhouven devra le dédommager. Voilà la nouveauté de la Mishnah qui nous dit, et mieux que ça, kol akodem bahen. Toute personne qui voudra venir acquérir, devenir possesseur maintenant de ce fumier déjà formé, alors on lui permet. C'est une xéra que Chachamim ont fait, un décret que Chachamim ont fait, que on le défait de toute propriété et on laisse tout le monde venir l'acquérir, on lui fait une amende, un knas, une amende. Parce que toi, tu as voulu utiliser la voie publique comme si c'était ta cour privée, ouais, ben on va te faire un knas, une amende, que toute personne pourra venir prendre le fumier. Et malgré tout, même si c'est devenu FKR qui n'a plus de propriété sur ce bien, ça ne le dispense pas de rembourser les dommages. Il devra quand même rembourser les dommages qui sont causés par ce fumier. Voilà pour la Reisha. C'est assez clair. C'est simple, donc finalement, concrètement, on parle de ce fameux Réhouven qui a voulu utiliser le Réchut Arabim à des fins personnelles pour laisser là-bas son foin pourrir. Quelqu'un est venu, a subi un dommage, il doit le rembourser, mais même mieux que ça, Chachamim sont venus et lui ont dit, même on va te donner une amende qui va être que ce fumier-là ne t'appartient plus, on va laisser tout le monde venir l'acquérir s'il désire. D'accord ? Maintenant, regardez, on va lire la deuxième partie de la Mishnah maintenant, la suite de cette Reisha, où on va voir une marloquette. Dans les mots, on va rien comprendre à cette marloquette parce que ça a l'air d'être une répétition, et donc on va ensuite préciser qu'est-ce que Rabban Shimon ben Gamliel est venu nous enseigner. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Kol ha-mekalkelin birshut harabim ve'iziku chayavin leshalem, v'chol ha-kodem bahen zacha. On fait ça dans les mots d'abord. Rabban Shimon ben Gamliel vient et dit, donc il vient discuter. Et il nous dit, tous les dommages que l'on pourrait poser, toutes les causes de dommages, tous les obstacles à Mekalkel, ouais, qui causent un dommage. Kola Mekalkelin Birshut Arabim, tout obstacle que l'on pourrait poser dans le Birshut Arabim et qui ont causé un dommage, Chayavin Eshalem, on a celui qui l'a posé a l'obligation de dédommager, l'endommager. Vechola Kodem Baen Zacha. Et celui qui voudra venir acquérir ce dommage posé par terre, alors pourra en devenir possesseur. Comme ce que je vous ai dit,
c'est vraiment une répétition de la Reisha, apparemment. Qu'est-ce qu'il est venu Rabban Shimon ben Gamliel rajouter? On a dit aussi dans la Reisha, c'est exactement la même chose. Quelqu'un a posé son foin par terre, or on risque facilement de glisser sur du foin, donc tu es Chayav ben Ezek, tu dois le dédommager, celui qui a glissé dessus. Et aussi, on a même permis aux autres de venir acquérir ce foin. Donc finalement, qu'est-ce qu'elle a rajouté Rabban Shimon ben Gamliel? La Mishnah, la Gemara nous explique ça de plusieurs manières, mais on va en rapporter une qui est à moitié rapportée dans le Bartanoura et à moitié dans le Tosot Yom Tov, où Rabban Shimon ben Gamliel vient nous dire comme ça. Il y a, on verra ça quand on arrivera surtout dans le Perek Shmini, on évoquera quelquefois ce principe. Les décrets de Yehoshua bin Nun, quand il a fait hériter la terre d'Israël au Bnei Israël, il a fixé certaines lois. Parmi, d'accord, c'est pour le bon déroulement du pays, le bon ordre. Il a par exemple permis que lorsque la voie publique, la chaussée, est de toute façon pourrie à cause des pluies, alors il a permis à cette période de sortir toutes les poubelles, les fumiers qu'on aurait à la maison. Et de ce principe, il y a une période de l'année où on a le droit, a priori, de sortir le foin et de le laisser par terre pendant quelques jours. Il n'y a pas d'interdit, étant donné que de toute façon, c'est la saison des pluies où c'est plus ou moins glissant dans la rue et que ça ne va pas forcément rendre la chaussée beaucoup plus moche. Donc Yeshua a fait une takana et a dit vous avez le droit de sortir. C'est en rapport à ça que Rabban Shimon ben Gamliel nous dit attention, sache que même si tu as le droit de faire sortir ton foin, ta paille, sur la voie publique, pour la laisser pourrir pendant quelques jours, parce que c'est une période de l'année où ça ne dérange pas, et Yeshua bin Nun a décrété que ce sera permis de le faire, sache malgré tout que Chayavin le Shalem, s'il cause un dommage, tu es quand même responsable de dédommager. Ça c'est un. D'accord? Donc en fait, Tanakama, le premier avis de la Mishnah, pensait que à la période de l'année où on a le droit de poser, alors si j'ai le droit de poser, je suis en droit totalement, de ce fait je ne suis plus responsable des dommages. Et Rabban Shimon ben Gamliel vient et nous dit, écoute, c'est une permission, mais ce n'est pas un droit. On t'a permis de le faire, mais t'es pas à 100%, tu dois quand même veiller à ce qu'il n'y ait pas de dommages, même si finalement on est tous des hommes, on est obligé de vivre normalement et de temps en temps utiliser la chaussée pour poser des affaires, sache que même quand tu as une permission de poser, malgré tout, s'il cause un dommage, tu es chaya de rembourser. Et ensuite, maintenant, sur la deuxième partie, la suite de cette phrase, « Mechol ha-kodem ba'en zaha » Alors là, on ne peut pas expliquer cette phrase. « Kol ha-kodem ba'en zaha » Toute personne qui viendra acquérir ce foin aura le droit de l'acquérir. Ça, c'est les mots. Bien évidemment, ce n'est pas possible d'expliquer ça dans le cas où on fait sortir le foin sur la voie publique avec permission. Parce que si tu me permets de le sortir, et ensuite tu permets à toute personne de venir l'acquérir, alors on a... C'est un peu insensé. De ce fait, il faut expliquer que la suite de la Mishnah parle d'un autre cas. Kol ha-kodem ba'en zaha, alors c'est une répétition apparemment de ce que le premier rabbi disait. Mais en fait, la Gemara explique qu'il y a une différence fondamentale entre les deux. Tanakama, lui, pensait, le premier rabbi, Tanakama c'est le premier Tana, le premier rabbi, quand il n'a pas de nom, on l'appelle Tanakama. Tanakama pensait que Kol ha-kodem ba'en zaha, toute personne qui va venir acquérir, attention, on parle de venir acquérir l'engrais, une fois que la paille a pourri et que c'est devenu de l'engrais, alors Tanakama nous permet de venir l'acquérir. Et Rabban Shimon ben Gamliel nous dit, sache que quand tu n'as pas le droit de poser ton foin, je te permets de venir acquérir le foin, hein, même quand il est encore à l'état de foin, de paille uniquement, qu'il n'a pas encore pourri, qu'il ne s'est pas encore décomposé, tu as le droit de le faire. C'est clair? Donc je récapitule maintenant les deux avis, les deux points de discussion. De manière générale, l'idée est nette. On n'a pas le droit de sortir sa paille dans le Reshut Arabim, on n'a pas le droit d'utiliser la voie publique pour son profit si on risque de causer un dommage aux autres. Donc poser sa paille sur la voie publique pour qu'elle se décompose, qu'elle pourrisse, c'est interdit. Et de ce fait, toute personne qui va venir, qui va glisser dessus, je devrais le dédommager, ça c'est premièrement. Deuxièmement, il y a même un knas, une amende, que on a rendu efker. On a supprimé la propriété de ce foin
de celui qui l'a posé, de ce monsieur Réhouven. Et donc, toute personne qui voudra venir acquérir cet engrais pourra l'acquérir, ça lui appartiendra. Ça, c'est les deux premiers points. Et maintenant, Rabban Shimon ben Gamliel vient ajouter sur ça et nous dit, sache que même à la période de l'année où tu as le droit de poser ta paille dans le Shuta Rabim pour qu'elle se décompose, ou tu es mamash be'eter, birshut bet-din, sache malgré tout que tu es responsable encore des dommages que tu pourrais causer, premièrement. Et deuxièmement, par rapport à ce que toi, Tanakama, tu nous as enseigné, que toute personne qui voudra venir acquérir l'engrais pourra l'acquérir, moi j'ajoute sur toi, je te dis, on pourra même venir acquérir la paille tant qu'elle est encore à l'état de paille même, avant même qu'elle se décompose. D'accord? C'est le deux points de Machloket. Maintenant, la suite de la Mishnah nous dit, Aofer et Agalal Birshut Arabim, Agalal, on l'a déjà vu une fois, je crois, Agalal, c'est les excréments. Donc, celui, la bouse de vache, Aofer et Agalal Birshut Arabim. On parle de quelqu'un maintenant qui voit de la bouse de cheval dans le Birshut Arabim, et bien il la retourne, il la soulève un petit peu, il la retourne. Veuzak Baen Acher Chayav Benizko. Et, donc, cette bouse ne lui appartenait pas initialement. Mais il est venu et il l'a soulevé, il l'a retourné. Et la Mishnah vient et nous dit, si quelqu'un d'autre vient et subit un dommage à cause de toi, à partir de maintenant, tu devras toi lui rembourser parce que tu l'as levé. De quoi on parle? Alors, la Gemara aussi là aussi explique qu'il faut l'une des deux éventualités pareilles, suivantes. D'abord, soit on parle d'une personne qui est venue avec intention d'acquérir. C'est-à-dire, on va d'abord poser un élément évident. Si jamais il y a un dommage posé par terre, une cause de dommage, un obstacle posé par terre, et que je viens et que je le bouge un tout petit peu, je ne suis pas, moi, porté responsable sur cet obstacle. Cet obstacle était une embûche, une cause de dommage, initialement, sans moi, moi, j'ai rien rajouté dessus. Cependant, si je viens et que je soulève cet obstacle, jusqu'à une hauteur plus que 3 tfachim, même si j'ai aucune intention d'acquérir ça, cette embûche, et que je la repose ensuite, je suis chayav. La Gemara compare ça à celui qui avait un puits concrètement creusé dans le Shuta Rabim, je suis venu, je l'ai bouché, je suis extraordinaire. Vraiment, très utile à toute la population. Et qu'est-ce que je fais ensuite? C'est je viens et je retire de nouveau toute la terre que j'ai mis dedans et je redécouvre le puits. C'est évident que je suis moi maintenant le responsable de ce puits, parce qu'au moment où j'ai bouché le puits, ça s'appelle qu'il n'y a plus de puits, il n'y a plus d'obstacles. Et ensuite, quand je viens, je creuse, ben c'est moi qui ai creusé ce puits, évidemment. Alors, sur ce même principe, s'il y avait du galal, de la bouse de cheval posée par terre, et je suis venu et je l'ai soulevé. Donc là, je suis un bienfaiteur, j'ai supprimé le danger public. Mais s'il le repose juste après, alors c'est moi maintenant qui crée ce nézek dans le Shuta Rabim, donc je suis moi maintenant porté responsable, même si j'avais aucune intention d'acquérir ces excréments, ce fumier. Ça, c'est la première possibilité d'expliquer, mais en fait, il y a une autre manière encore d'expliquer, c'est que sur le cas, je vous ai dit que si je soulève, je supprime la première pose pour ensuite en créer une nouvelle, donc c'est moi le responsable, il faut attention, il faut lever le fumier à plus de 3 tfachim, 3 points, 3 poignées, ça fait à peu près l'équivalent de 30 cm. Alors dans ce cas-là, on considère que je l'ai complètement supprimé. Par contre, si je le soulève uniquement de 10 cm, 15 cm, 20 cm, et que je le repose tout de suite, alors de prime abord, ça s'appelle que j'ai rien fait. Il était là, je l'ai laissé poser là. Dans plein de halakhot, on considère que 3 tfachim, l'avoud, on considère qu'on n'a pas encore décollé les choses, donc je l'ai laissé à sa place. Donc partant de ce principe, si je l'ai levé juste de 15 ou 20 cm, je ne suis pas responsable de ce fumier qui va causer un dommage. Puisque je l'ai laissé, il était initialement, c'est la vache qui est passée il y a 2 minutes qui l'a posé. Donc finalement, j'ai rien fait de plus. C'est vrai, mais à moitié. Si toutefois j'ai soulevé ce fumier avec intention de l'acquérir, dès que je l'ai soulevé plus que 10 cm, je deviens moi propriétaire. Et de ce fait, je suis chayav, comme ce qu'on avait appris hier et avant-hier, qui a deux facteurs, deux paramètres pour lesquels je suis porté responsable sur un bord. Soit parce que c'est mon bien, soit parce que je suis fautif sur sa pose sur la voie publique. En l'occurrence, c'est vrai que si je la soulève juste de 10 cm, il faut au minimum 10 cm pour acquérir. C'est vrai que si je soulève le fumier à plus de 10 cm, pour le moment, je ne suis toujours pas responsable de sa pose quand je repose, parce qu'en fait, il était là et je l'ai laissé là, tant que je ne l'ai pas soulevé à 30 cm. Mais malgré tout, puisque je suis devenu possesseur,
Alors maintenant, c'est mon bien, je vais le surveiller, il ne peut pas causer de dommages, d'accord? Donc la Mishnah nous dit encore une fois, celui qui retourne, donc en fait, il faut l'expliquer, qui retourne avec l'intention de l'acquérir. Il le soulève, il le retourne un petit peu, même à 10 cm, est agalal, donc agalal, c'est les excréments. Birchut Rabim qui était posé sur la voie publique, de Ozak, Baen, Acher, et que quelqu'un d'autre est venu ensuite et a glissé dessus, a subi un dommage, Chayav Benisiko, je dois lui rembourser le dommage, je dois le dédommager. Petite précision, constatez qu'il n'y a pas écrit cette fois-ci, le Chol Akodem Baen, Zaha, toute personne qui viendra l'acquérir pourra l'acquérir. C'est-à-dire, quand j'ai finalement acquis ce fumier et que je l'ai reposé par terre, Chachamim n'ont pas permis aux autres de venir l'acquérir. L'idée est simple. Il y a une différence fondamentale, c'est que quand je pose ce galal, c'est-à-dire poser les excréments dans le Chut Arabim, on n'a pas d'intérêt à le laisser pendant longtemps dans le Chut Arabim. Ce qui signifie que si je les ai posés, c'est vrai, j'aurais pas dû le laisser, mais c'est pas plus que n'importe quel. C'est pas plus grave que n'importe quel fruit ou n'importe quelle charge que j'ai laissé poser momentanément. Tandis que dans le cas initial du foin, c'est quelque chose qu'on laisse pour plusieurs jours. Ça signifie que celui qui a posé ça, ce foin dans le Chut Arabim sur la voie publique, il avait vraiment prévu de déranger tout le monde pendant plusieurs jours. Alors là, Chachamim sont venus et on dit, tu sais quoi, on fait un knas et tout le monde pourra venir acquérir ça. Mais maintenant qu'il y a quelqu'un qui laisse, même s'il a tort, il n'a pas le droit de le faire, mais quelqu'un qui laisse son bien dans le Chut Arabim, un obstacle, pendant quelques minutes uniquement, Chachamim n'ont pas fait ce knas, cette amende. D'accord? Alors maintenant on fait ça avec le Barthénora. On avait vu Amoset Stivno avec Kachot de Chut Arabim, Lisvalim. Ça signifie quoi, Lisvalim, pour en faire des engrais? Sheirakvu, Ateven Veakash, afin qu'ils pourrissent, Rekev, Rikavon, Ateven Veakash, le foin, la paille, Venaasim Zevel, et quand ils deviennent des engrais, les Abel, Sadot ou Kramim, afin qu'on puisse ensuite mettre des engrais dans les champs et dans les vergers. Kolakodem Baen Zaha, des Kanzinu Rabanan. Pourquoi maintenant? Alors maintenant il vient le Barthénora nous expliquer. Qu'est-ce que ça signifie quand on a dit que Chachamim, on dit Kolakodem Baen Zaha, toute personne qui devra les acquérir pourra les acquérir. Des Kanzinu Rabanan, Chachamim l'ont fait une amende. Kolamekalkilim Birchut Arabim, ça maintenant vient expliquer la phrase de Rabban Shimon Ben Gamliel. Qu'est-ce qu'il est venu nous ajouter, Rashbag? Rabban Shimon Ben Gamliel. Il nous a dit, va filo sim birchut, même quand ils font avec permission, comme ce qu'on avait expliqué, les takanot de Yehoshua. Kegon, Bishat, Otsarat, Azvalim, comme par exemple dans la période de l'année où c'est le nettoyage de printemps et on permet à tout le monde de sortir son zevel dans le Chut Arabim. Imiziku, Chayavim. S'ils ont causé un dommage, malgré tout, même si j'avais le droit de les poser, Rabban Shimon Ben Gamliel pense que Imiziku, Chayavim, s'ils ont causé un dommage, je dois dédommager. Ayofer et Agalal, c'est quoi Agalal? Tsoat Bakar, la bouse de Bakar, de bétail, de gros bétail. Et on a fini le Barthénora, on a fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, pleine de Hatzlacha. Rendez-vous demain. Kol Tuv Sela.